ça apporte une saveur inégalable. Enfin, la vanille, ça fait partie de la pâtisserie française. On aime bien en rajouter un peu de partout. Enfin, je sais pas si... en fait, ça se marie avec tout finalement. Enfin, avec les fruits rouges, avec les agrumes, avec le chocolat, avec la noisette. Enfin, y a tellement de possibilités et de facettes. Pour pouvoir utiliser la vanille dans la pâtisserie. Ça apporte une saveur et puis ça adoucit en effet les créations qu'on va mettre en place au restaurant. Je sais qu'avec mon père, on est très fan du millefeuille. Enfin, je sais que c'est un classique, mais enfin, voilà, un bon millefeuille avec une bonne pâte feuilletée, une bonne crème à la vanille, c'est quand même top. Moi j'aime la pâtisserie légère, la pâtisserie fruitée et la pâtisserie qui a du peps. Donc justement le fait d'associer ces trois saveurs, donc on a à la fois le côté fruité avec les fraises, on a la fraîcheur du citron vert, puis on a la douceur de la vanille qui vient rajouter une petite note à ces deux éléments. Je trouve que l'association fonctionne bien. Bah, c'est plutôt agréable parce que enfin, on a déjà une bonne quantité de grains de vanille. Et puis c'est une vanille, enfin voilà, comme toutes les autres finalement, on peut exploiter dans son intégralité. Donc après, une fois qu'on a utilisé la vanille, on peut la faire sécher et puis en faire de la poudre et saupoudrer les desserts de vanille.